Salut à tous, c'est La Salle. Dans l'épisode précédent, on a parlé de la fameuse veste de Ryan Gosling qui a fait son apparition dans GTA V. Dans cet épisode, on va parler d'un personnage qui a fait son apparition dans GTA V. Tout le monde connaît Niko Bellic. Donc c'est le joueur principal de GTA IV. On peut apercevoir sa photo à quelques endroits sur la map comme sur des journaux, mais le plus important, et ce qui le rend encore plus d'actualité, voyez par vous-même, c'est qu'il est ami avec le fils de Michael. D'ailleurs là, on peut voir Jimmy, donc le fils de Michael, surfer sur la page Life Invader de Niko Bellic. Donc apparemment, d'après ce qu'on voit sur la page, même si c'est un peu flou, il se serait reconverti en chauffeur taxi, sûrement dans l'entreprise de son cousin Roman. Donc Roman, si vous le connaissez pas, c'est celui qui lui avait promis le rêve américain alors qu'en fait il était super endetté. Donc là, on ne nous en dira pas plus sur Nico, je pense qu'il est juste là pour faire un clin d'œil à GTA 4. Rockstar veut juste pas qu'on oublie leur travail passé et ça peut se comprendre. Donc malgré ça, je pense qu'on aurait tous voulu un petit retour de Niko Bellic dans l'émission proposée, c'est pas le cas. Mais rien que le voir en photo par-ci par-là, ça ravive déjà un peu la nostalgie de ceux qui ont geeké sur GTA 4. Donc là, je vais vous montrer la photo d'un SDF qui ressemble beaucoup à Nico, mais avec quelques kilos en plus. Donc c'est lui. Il tient une pancarte où c'est écrit « J'ai besoin d'argent pour de la bière, de la drogue et des prostituées. Au moins, je ne vous raconte pas de conneries. » Alors d'après vous, Niko Bellic, chauffeur de taxi ou SDF, je vous laisse donner votre avis en commentaire. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.